Eh bien, on sait que la nature, c'est la nature. On sait très bien qu'avec le changement climatique, il y a aussi des phénomènes climatiques qui prennent une amplitude de plus en plus terrible, énorme. Par conséquent, ça peut très bien arriver. Et donc, on ne doit pas se cacher les yeux et imaginer que non, ça ne va pas arriver. Il faut être prêt et anticiper. Anticiper le moment, travailler sur comment on va gérer la crise pendant la crise et surtout travailler à l'après-crise. Jusqu'à présent, on construisait des digues en disant on va empêcher l'eau de monter. Mais une inondation, ce n'est pas un problème d'eau, ce n'est pas que un problème d'eau, c'est un problème d'aménagement du territoire. Et par conséquent, ce sont des politiques transversales d'urbanisme qui n'étaient pas prises en compte autrefois. Comment construire le territoire que l'on voudra dans 20 ans, même si pendant les 20 ans, il y a eu une inondation qui a détruit des choses. Et c'est donc une mentalité complètement différente et c'est là-dessus qu'on doit vraiment travailler.